En 1987, au Salon de Francfort, Zender présentait la Vision 3. En 89, à Genève, c'était au tour de la FACT 4, un prototype monocoque réalisé en fibre de carbone et équipé d'un moteur Audi V8 double turbo, développant 450 chevaux. La voiture est belle, elle roule, elle atteint des performances étonnantes, elle est donc techniquement tout à fait au point. Et pourtant, Hans-Albert Zender se défend d'être un constructeur et son prototype ne passera pas au stade de la fabrication. Nous avons préparé ces deux voitures avec toutes les homologations de passage aux mines pour qu'elles soient immatriculées et puissent rouler sur la route. Cela implique des coûts très importants, mais je vais vous décevoir, ce n'est pas pour les fabriquer en série. Nous n'avons fait cela que pour être sûr que nous pouvions le faire. Nous avons eu besoin de savoir si les matériaux nouveaux, comme les châssis monocoques, le Kevlar, le carbone, tiennent en réalité. En fait, nous avions besoin de comprendre le comportement de ces matériaux. S'il y a construction en série un jour, il est beaucoup trop tôt pour en parler, mais nous avons beaucoup appris en construisant ces voitures et en cela, nous avons atteint notre but. Ne nous y trompons pas, Zender, industriel et créateur, est d'abord et surtout un commerçant. Dans sa concession, on vend Suzuki, Alfa Romeo, Jaguar et Ferrari. Mais le but de la maison, c'est de suivre à la trace les grands constructeurs pour proposer des éléments de tuning pour leurs voitures, et cela dès la sortie des nouveaux modèles. Le résultat, un chiffre d'affaires annuel de 150 millions de Deutsche Mark, 400 employés, une distribution assurée dans plus de 30 pays et aujourd'hui une collaboration directe avec la plupart des constructeurs allemands. Alors le tuning, marginal, pas tant que ça on le voit et au contraire, bien ancré aujourd'hui dans la réalité de l'industrie automobile allemande. Que cela ne nous empêche pas de rêver, après tout, la FACT 4 est là aussi pour ça, ne nous en privons donc pas.